La Normandie, ses falaises de craie blanche, ses bocages verdoyants et ses produits locaux. Avec en bonne place, bien sûr, le cidre de Normandie. Guillaume Capel est producteur de cidre fermier depuis 10 ans. Pour lui, tout commence dans ses vergers, par un équilibre savant pour assembler les variétés des différents pommiers dans le respect des anciens. Principalement ici, c'est de l'ancien propriétaire qui avait une cuvée avec un équilibre vraiment très très bien, donc on reproduit scrupuleusement. Donc c'est plein de pommes différentes. On est sur une dizaine de variétés de pommes. Pas de produits chimiques pour entretenir ces 20 hectares de pommiers. Guillaume a dû s'adapter aux caprices de la nature. Ce verger-là, l'année dernière, c'était dramatique. Là. Il y avait les 15 jours de vent de nord-est avaient quasiment tout grillé. J'ai passé 2 jours à ramasser 4 tonnes ici avec ma machine. Là où normalement j'aurais dû faire 50-60 tonnes. Avec ses pommes, Guillaume s'est diversifié. Il produit un autre élixir emblématique de la Normandie, le Calvados. Ce matin, à la ferme, flotte de 12 vapeurs alcoolisées. Un bouilleur de crue ambulant vient distiller l'eau de vie de Guillaume. Voilà, tiens, Guillaume. Pour le moment, ça brûle plus les papilles qu'autre chose. Fort. Moi, c'est pour ça que j'ai pris un verre type dégustation, pour surtout avoir le nez plus que les... Bah, en tout cas, là, on pourrait ce qu'on sentirait, ce serait les défauts, s'il y en avait. Et écoutez, il n'y a rien à dire. Ouais, ouais. Et là, il y a du défaut ? Non. Non, 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 ça va. J'irais pas vous dire le contraire, en fait. Pour être parfait, le calvados de Guillaume devra encore vieillir dans ses fûts de chêne pendant 3 ans minimum. Comme pour son cidre, c'est une histoire de patience et d'exigence. Je suis persuadé que si on se casse pas la tête à élaborer un produit, si on se met pas dans la difficulté, on peut pas le valoriser comme il faut. Si on fait du cidre Coca-Cola, on pourra pas le vendre plus cher que du Coca-Cola. Loin des vergers de pommes, la Normandie, c'est aussi une tradition de pêche. Aujourd'hui encore, plus de 600 bateaux de pêcheurs sillonnent les côtes de la Manche. À Port-en-Bessin, Pierre-Marie et son équipage se préparent à sortir en mer. D'habitude, ils pêchent la coquille Saint-Jacques, l'or blanc de Normandie. Mais en cette saison, c'est du poisson qu'ils espèrent rapporter. Le chalut, c'est vraiment petit bonheur à la chance, quoi. Que la coquille, on sait plus ou moins ce qu'on va ramener. Selon le secteur où on va, la coquille reste là. On s'en va, on revient, elle va toujours être là. Cela fait 10 ans que Pierre-Marie sillonne les eaux normandes en tant que pêcheur professionnel. Aux commandes de son navire, c'est là où il se sent le mieux. C'est mieux qu'au bureau, comme ça. Non, non, c'est... la liberté, un peu. Ce chalutier, c'est la fierté de Pierre. Il l'a fait construire il y a 3 ans et fait vivre aujourd'hui une dizaine de personnes. Un rêve d'enfant pour ce jeune patron, même si ses débuts en mer ont été quelque peu mouvementés. 2 ans à vomir toutes mes tripes quand... Puis c'est passé. Vous êtes un peu maso quand même, non ? Ah, de toute façon, c'est le seul métier où on va dire on peut gagner de l'argent sans aller vraiment beaucoup à l'école, quoi. Entre l'école et le boulot, j'ai fait mon choix très vite. Moi. Les pêcheurs sont payés en fonction de ce qu'ils remontent. Et la concurrence dans les eaux de la Manche est parfois féroce. Les Anglais, une fois qu'ils sont là, il faut se dépêcher, ça dure pas bien longtemps. Parce qu'ils ont des unités 3 fois, 4 fois plus grosses que la mienne. Donc, c'est la guerre. Alors que les pêcheurs rentrent au port, dans le bocage non loin de là, c'est l'heure pour Pierre Aubryl de sortir ses vaches normandes. Moi, ouais, t'es belle, toi. Moi, ouais, t'es belle. Elle passe 9 mois de l'année dans ses pâturages du parc du Cotentin. Une zone humide qui était jadis l'un des plus grands marais d'Europe. Résultat, le sol est particulièrement fertile. On peut compter jusqu'à 100 espèces végétales dans la même prairie. Alors à la fois des graminées, des légumineuses, des plantes médicinales, etc., etc. Ça leur suffit simplement comme aliment. Les vaches de Pierre produisent chaque jour 1200 litres d'un lait 100% bio. Vous pouvez goûter. Et bon. Une partie de ce lait servira à fabriquer le fameux beurre normand. Il est vraiment très goûtu et en plus très facile à transformer, très tartinable, d'une jolie couleur. Un beurre bien jaune qui va faire la réputation du petit village normand d'Isigny à partir du XVIIe siècle. Et en 1934, dans cette usine, on a l'idée de transformer le surplus de lait en caramel.
Un million de petits caramels sortent chaque jour de cette maison pour le plus grand plaisir des gourmets. Depuis, le caramel d'Isigny est mondialement apprécié. Et ici, la recette n'a pas changé. Beurre, sucre, lait et crème. Que des ingrédients locaux brassés dans ces cuves à 125 degrés. Une fois refroidi, le caramel est malaxé à la main, puis découpé et empapilloté. Beurre doux, beurre salé, au calvados ou aux noisettes, il en existe 25 variétés. Là, on passe un caramel à la crème, donc c'est la crème d'Isigny, c'est notre région, c'est... En plus, il est très bon. Par contre, celui-là, il colle aux dents. Hein. Le caramel d'Isigny est désormais indissociable de la Normandie, comme tant d'autres produits locaux, fruit des efforts de ses pêcheurs et ses petits producteurs, et du savoir-faire normand.